Ça touche pas, vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix d'Italie 2006 sur le jeu Formule 1. Alors du coup, on va démarrer le début du Grand Prix bien sûr. Allez, c'est parti, on va changer les réglages, on va se mettre en qualification. Bienvenue à Monza. On va modifier un peu tout, ça c'est bon. Tenue de route, on va laisser comme ça. 18, je pense que ça peut être pas mal, 19. Voilà, ensuite vitesse. Étagement de boîte, on va faire. Si je m'équilibre, jusqu'à combien? 6,8? Ah, peut-être pas exagéré non plus. Voilà un peu. Ok. Frein, on va laisser. Et Cet on va faire du après-midi, coup pour quitter les le garage. qualifications, nous allons vivre ensemble une heure de suspense. La première séance va commencer alors. Voyons quels pilotes composeront le fond de grille. Allez, c'est parti! On va essayer de monter les pneus en température. Je sais déjà à quoi m'attendre hein, du Grand Prix, vous aussi de toute façon. À mon avis, on tiendra pas 3 tours. On va se faire exploser par une bagnole ou se faire rentrer dedans. Et puis on passera à la course suivante. Ouais, j'ai un peu perdu ma motivation. Parce que je sais que peu importe ce que je vais faire, de toute façon, ça va mal finir. Donc c'est du temps perdu. Limite, vous pourrez déjà maintenant switcher sur la course, comme ça ira plus vite. Parce que bon, les qualifications, de toute façon, j'avais fait les essais libres avant, on était dans les derniers, donc ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, bon, comme vous voulez. Je vous aurais prévenu, voilà. Boum, allez, merci Montero. Il suffit que j'en parle pour faire défoncer 3 secondes après. Allez, merci Montero, tu vas me dépasser, tu vas passer, merci. Et maintenant que t'es passé, tu vas avancer. Tu me saoules, tu vas avancer. Allez, on avance. Et voilà, et du coup, je vais me faire gêner par elle. Voilà. Ah, je vais être sérieux, je vais vraiment être sérieux avec vous. Je n'en ai plus de ce jeu. Enfin, il me semble que ce jeu me gonfle. Pour moi, j'ai jamais vu un jeu aussi merdique que ça au niveau de l'IA. Franchement, osez dire que l'IA est bien, quoi. Honnêtement, je le conçois lent. Bon, ça, je le conçois. Que je sois pas le plus rapide du monde, je le conçois. Mais se faire pourrir non-stop par l'IA, c'est bon, quoi. Même 98, j'avais moins de problèmes. Hein. Donc voilà. Vous pourriez dire que je suis une mauvaise foi. Bah écoutez, tant pis, hein, je m'en fous. C'est pas mon problème. Ouais, moi, ça, c'est moi qui fais le con. Revenir au garage. Voilà. On va faire quitter la séance parce que je m'en fous, concrètement. Je m'en tape. Je vais finir Nous dernier de toute façon, poursuivrons donc dans ça quelques change rien. instants. De 20 tours, Voilà. ils ne sont plus Et on que va faire 16. quitter la séance. Et on va Nous allons passer à la. faire la Ils étaient course. 22, puis seulement 16. Voilà. Les jeux sont faits. De la 10e place Ok, à la pole c'est lors de bien. l'essai. Allez, vas-y, course. Montez le son et préparez-vous pour le Grand Prix d'Italie en direct de Monza. Monza est un des circuits classiques du championnat. C'est aussi l'un des plus rapides. Ce qui veut dire que les véhicules vont effectuer des pointes de vitesse proches des 370 km/h pendant ce Grand Prix Ouais, d'Italie. 310 km/h. Alors par contre, Ceux juste la mine là, on a un peu rigolé. Même si je mets pas d'aileron, elle va aller à 310. Donc je vous laisse déjà déterminer, imaginer le gap de perte de performance que j'ai par rapport à l'autre. Kimi Raikkonen est deuxième. Derrière eux, à la troisième place, Fernando Alonso. Allez, Zébardi. Ouh, speed Surtout, restez dernier. avec nous, montez le son et régalez-vous. On y va. C'est parti. Allez, départ correct. Évite d'attaquer avant que les pneus ne soient verts sur l'indicateur. Allez. Fais gaffe au point de freinage, hein, parce que Ils ça va être compliqué. À l'approche du premier virage. Ok, on est bien passé. On a quelques places, alors évidemment j'ai pas les pneus chauds, donc ça va être un peu compliqué. Ouf, je passais à l'intérieur, mais c'était pas prévu. Wow, il y a une Ferrari qui est partie à la faute. Et voilà, du coup, moi je me loue complètement.
Ah, c'est Massa. Bon, cette chicane, ça va être la pire, puisque je vais me faire rentrer dedans quasiment tout le temps. Peu importe la trajectoire, donc... Donc voilà, voilà. Et il y a de l'huile sur la piste, ça c'est pas bon. Ah, par contre c'est derrière nous, c'est pas devant nous, ok. Allez, sans aspiration. Derrière, il me rattrape en 3 secondes et demie. Deuxième Raikkonen, en troisième Alonso, Fisichella est quatrième, Button est cinquième, Barrichello est sixième, Trulli est septième et Hetfeld est à la huitième place. J'oublie de freiner au dernier moment. Tellement tard pour éviter que les IA me rentrent dedans, c'est juste ridicule. Allez. Ok, j'attends quand ils enlèvent le logo de l'huile alors qu'il y en a encore, tu sais. On en est au troisième tour de la course et Raikkonen est devant. Schumacher est deuxième. Il occupait tout à l'heure la tête du classement. En troisième. Eh ben, on va tirer tout droit, c'est super. Barrichello, 5e, il est parti 6e. Jenson Button est 6e. Montoya est 7e. Il a gagné 2 places. Et voilà Trulli, 8e. On vient d'apprendre qu'il y a eu une collision au virage 5. C'est Scott Speed. La course est finie pour lui. C'est une énorme décision. D'ailleurs, ça a pas très bien freiné apparemment. A fait les frais de l'accrochage lui aussi. Son pneu arrière droit est un peu endommagé, mais ça a l'air d'aller. Prudence dans les portions 1 et 2. Les écrans indiquent les drapeaux jaunes, compris ? Bah, je sais, hein, je suis responsable du drapeau jaune, donc ça va pas changer grand chose. Allez, même Montero va plus vite que moi, c'est magnifique. Aïe aïe aïe, secours. Ah vas-y, passe, hein, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On va espérer qu'il y ait des abandons devant, hein. Ouh, il y a du... Il y a un gros beau bouchon devant. Tu te débrouilles bien, c'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première portion. Oh non, 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 mais pourquoi cette chicane à chaque fois? Il semblerait que Midland ait percuté la glissière. Voilà, que j'ai cassé comme il faut. Vous avez vu les ronds, j'ai tapé à 1 km/h. Et ben il est bousillé, du coup je tournerai plus. Il va devoir passer au stand pour changer d'aileron. Il n'est pas out, mais cet accident ne va pas l'aider. Très beau temps de Rubens Barrichello qui améliore son meilleur tour. Il vient d'obtenir un chrono de 1:23.81. Il remonte. Jenson Button ne va pas tarder à le voir dans ses rétros.
Il tourne. Bon, ça va, j'arrive quand même à prendre le virage. L'écart est actuellement de presque 5 secondes. Je sens qu'il y a une voiture à l'arrêt devant. Voici le classement des 8 premiers. Schumacher. Ok, on a une Williams qui est complètement à l'arrêt. Deuxième, Raikkonen. En troisième, Alonso. Fisichella est quatrième. Barrichello, cinquième. Jensen Button est sixième. Montoya est septième. Et Hetfeld est à la huitième place. Un point rapide sur la météo. Rosberg était un tour, ok. Nous avons surveillé nos ordinateurs et la température augmente progressivement depuis quelques minutes. Nous ne devrions pas tarder à voir la vitesse de course augmenter et à enregistrer de meilleurs temps au tour. Physique et la fonce autant qu'il sait. Ce dernier temps était de 1:24.19. C'est sensiblement mieux que Fernando Alonso. Il tourne en à peine plus de 1:25. Bon, 1:25. Lol. On n'arrive même pas à faire 1:26 en qualif. Deuxième, Fernando Alonso. Raikkonen est en troisième position. Fisichella est quatrième. Barrichello, cinquième. Il est parti sixième. Jensen Button est sixième. Il est tombé de la cinquième place. Montoya est septième. Et Hetfeld, ouais, c'est tour à est faire. En huitième place. Accroche-toi pour les 5 derniers tours. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Il occupait la troisième place. Raikkonen est en troisième position. Fisichella est quatrième. Barrichello, cinquième. Jensen Button est sixième. Montoya est septième et Hetfeld est à la huitième place. Magnifique dernière portion, la plus rapide jusqu'ici. Ouais, génial. Je suis la meilleure portion, mais je perds une seconde par rapport à Montero. Ah, bien que les ronds cassés, ça va pas aller loin. Fernando Alonso se donne maintenant à fond. Ce dernier chrono donne un temps autour de 1:22.3. C'est beaucoup mieux que Giancarlo Fisichella. Il réalise des chronos à la limite de 1:23.1:24. Ah, c'est Raikkonen qui a abandonné. On est actuellement 17ème, faudrait que tu fasses quelque chose. Faudrait que je fasse quelque chose, ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Écoute, on va juste finir la course. On va essayer.
On va essayer de pas prendre un tour surtout. Ce qui va être compliqué parce que vu la vitesse à laquelle vont les IA, je pense que je vais prendre un tour dans pas longtemps. À quelques tours de la fin, Montoya reprend du poil de la bête. Mais aura-t-il assez de temps pour atteindre son objectif? Barrichello risque de se faire doubler bientôt. L'écart est de 2 secondes et 3 dixièmes pour l'instant. Super temps dans la première portion. Ne te relâche pas! Montoya est le plus rapide sur la portion 3. Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde. Alors qu'on entame les derniers tours, Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Fisichella, troisième. Button est quatrième. Il était cinquième. Barrichello, cinquième. Montoya, sixième. Montoya continue de mettre la pression et talonne à nouveau son adversaire. Il a réduit l'écart d'encore 2 dixièmes de seconde. Barrichello a réussi à conforter son avance cette fois. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Les écrans montrent des drapeaux jaunes dans la portion 2. Vas-y doucement et ne double pas. L'acharnement de la part de Barrichello. C'est passé comme une lettre à la poste. Il a mis Button au tapis. Il est impitoyable. J'aime beaucoup le commentaire. Super temps dans la deuxième portion. Continue. Ah, je tourne mieux, hein, puisque maintenant il n'y a plus personne. Montero 15ème, on n'est pas encore près du. De l'amélioration, mais. Enfin, en tout cas, de pouvoir passer devant. Devant Super Aguri, mais bon. On sait jamais. Il reste 3 tours. À quelques tours de la fin, Montoya reprend du poil de la bête. Mais aura-t-il assez de temps pour atteindre son objectif? Button a la pression en ce moment. 2 secondes et 2 dixièmes d'écart. C'est le dernier tour de la course pour le meneur, Michael Schumacher. C'est Michael Schumacher qui mène. Il vient d'entamer son dernier tour. Bon, en fait, on finira pas un tour. Alonso le suit en deuxième position. Enfin, sauf si je me pense là, voilà. Tout droit, magnifique. Button a bien négocié la fin de ce tour. L'écart actuel est de 2 secondes 7. Montoya se donne à fond au début de ce dernier tour. Reste à savoir si à ce stade de la course, il pourra rester concentré. Ah, il y a encore de lui, c'est le même endroit, ouais. C'est marrant qu'il lui dans un freinage ou dans un virage en courbe. On est 15ème ? Oh oui, je suis bête, on était déjà 15ème. Montero 14, ouais. On gagne rien à finir 15ème. En tout cas, il est sympa. Bon, c'est un bon résultat, hein, 15ème. Soit avec toutes les merdes qu'on a avec l'IA. Bon, certes, là je suis parti à la faute tout seul, hein. Pour une fois, c'est rien que c'est moi, mais. Regardez Michael Schumacher, il donne tout ce qu'il a. Ce dernier chrono donne un temps autour de 1:22:56. Il est nettement plus rapide qu'Alonso. Il boucle ses tours en 1:25,5. Michael Schumacher passe la ligne et s'assure ainsi la première place du podium. Fernando Alonso devrait occuper la deuxième place. Comme vous avez pu voir, les qualifications ne servaient à rien. Dès le premier virage, j'ai doublé tout le monde. Je pense qu'on va arrêter de perdre du temps là-dessus. Sauf si je vois qu'il y a une chance peut-être de faire de la Q2 ou la Q3, mais... La Q2 déjà, ça serait extraordinaire.
Mais quand je vois que ça c'est mort, c'est même pas la peine. Je pense qu'on passera les dernières courses sans montrer les qualifications. Parce que je comprends que pour vous, voir une qualification entière et pour après voir un tour de course, c'est pas intéressant. C'est aussi ça qui m'énerve, hein, honnêtement. C'est tellement contenu pourri que ça m'énerve. J'ai l'impression de vous insulter en fait en uploadant ce genre de vidéo. Du coup voilà, allez, on va terminer le Grand Prix en 15e position. Oui. Cette année encore, le circuit de Monza a tenu toutes ses promesses. Alors, Schumacher, Alonso physique et la button bike, Kello, Montoya, il fait le trouli. Et je peux vous assurer que tous ceux qui disaient que le V10 c'est plus grand monde, hein. Comparé au V10, je crois que j'ai créé un mini carambolage en plus avec Speed. C'est vraiment impressionnant et cette saison ne cesse de monter en puissance. Malheureusement, l'annulation du Grand Prix de Belgique nous oblige à faire une pause. On se retrouve donc en octobre en Extrême-Orient, à Shanghai, puis au Japon, pour la phase finale de la saison. Ah oui, c'est vrai, je pensais qu'il y avait l'Espagne, la Belgique, mais en fait non, en 2006, c'est vrai qu'il n'y a pas eu lieu. Dommage. Décidément, on a l'impression que c'est la S-Formula aussi. Alors, du coup, Lando 2 du championnat, j'ai pas trop vu la suite, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a un changement en classement de pilote. Albers en est 21ème, Montero 20, et ID qui nous a démonté à chaque fois, donc pas de changement. On est toujours en tête, Ferrari, McLaren, Honda, Toyota, Sauber. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, comme prévu, hein. On va faire après le Grand Prix de Chine, que je déteste concrètement. Mais bon, en jeu, ce sera peut-être différent. Bon, bah je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Chine. Ciao tout le monde!